Méthode de français. Bonjour mes chers élèves de CE1. Je vous présente votre cahier d'activité. D'accord? L'arbre au mot. On va voir quelques exercices pour le soutien. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités pour aujourd'hui. Alors, voici grammaire. Vous pouvez consulter votre page 32, d'accord, de votre manuel L'arbre aux mots. Alors, grammaire, on va voir maintenant les déterminants et les noms. Alors, ouvrez votre cahier d'activité, page 17. Page 17. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Par exemple, la carte, un yo-yo, sa poche, ce jouet, deux cartes. Alors là, un, ça ou ce, deux, ce sont des déterminants. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom normalement. Devant certains noms, le ou la se transforme en L apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. L'école, l'avion. Parfois, les noms propres n'ont pas de déterminant, comme l'exemple de Rabat, Haussmann. Et les autres noms ont aussi des déterminants. Alors, grammaire, cette fois, vous pouvez consulter votre manuel de français, page 32. Alors, aujourd'hui, on va voir des activités de grammaire sur le cahier d'activité, les déterminants et le nom. Ouvrez, s'il vous plaît, à la page 17 de votre cahier d'activité. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Carte, yo-yo, poche, jouet, car ce sont des noms. Et le déterminant, c'est la. Tu vois? La carte, tu vois? Un yo-yo, sa poche, ce jouet, deux cartes. Alors, devant certains noms, comme le et la, se transforme en L apostrophe, comme l'exemple de école, l'école. Avion, l'avion. Alors, devant certains noms, le et la se transforment en L apostrophe, comme l'exemple de l'école, l'avion. Parfois, les noms propres n'ont pas de déterminant, comme l'exemple de Rabat et Otman. Alors ici, souligne les déterminants dans le groupe de mots. Je visite un petit peu, comme l'exemple de des, mais, ce, un, une et notre, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout simplement le petit mot. Hein. Le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom, qui précède le nom. Alors, des, mais, ce, un, une et notre, ce sont les déterminants et les autres aussi. Alors, choisis l'un des déterminants proposés et écris-le devant le nom. Alors, c'est une activité vraiment intéressante. Il faut savoir le genre du nom. Est-ce que c'est masculin, féminin, pluriel ou singulier? Alors, on dit un camion. On dit l'école, L apostrophe. On dit l'avion. On dit vos vélos. On dit pas votre vélo, non, vos vélos. Alors, un camion, l'école, l'avion, vos vélos. C'est la même chose ici, ours en peluche. On dit mon ours en peluche. Ce jeu vidéo, mes figurines. Leur jouer avec S. Alors je répète encore une fois. Un camion, l'école, l'avion, vos vélos, mon ours, ce jeu vidéo,
mes figurines, leurs jouets. Alors ici, complète chaque nom avec le déterminant qui convient. Alors le ou la ou elle apostrophe. On dit l'hôpital avec elle apostrophe. L'hôpital, la raquette, le robot, l'heure avec elle apostrophe. L'hôpital, la raquette, le robot, l'heure, le mode d'emploi, la pâte à modeler, l'été, le président, le plaisir, l'ours en peluche, la figurine, l'hiver. Alors, recopie chaque nom qui convient. On dit mon chien, mon chien, non, mon chien, hein, mon chien. On dit le ballon, c'est pas le poupée, le ballon. Un jour, l'oiseau, une pierre, l'hôtel, mon chien, le ballon, un jour, l'oiseau, une pierre, l'hôtel. C'est la même chose ici, on dit ta soeur, ses amis. On dit pas sixième parce que c'est écrit avec S. Ses amis, ta soeur, c'est féminin. Ta soeur, on dit pas ta frère, non. Ton frère, ta soeur. Ses amis. La route. Des chats. Ma chemise. Les chevaux. Alors, je répète encore une fois pour mémoriser aussi, pour vous aider bien sûr à maîtriser les activités ici sur votre cahier d'activité. L'arbre au mot, c'est vraiment très intéressant. Hein? Mon chien, le ballon, un jour, l'oiseau, une pierre, l'hôtel, ta soeur, ses amis. La route, des chats, ma chemise, les chevaux. Observe les noms soulignés puis complète le texte avec les déterminants qui conviennent. Voilà, c'est un exercice vraiment intéressant. Observe les noms soulignés, pirate, trésor, bijoux, maman, jardin, vol, police. Observe les noms soulignés, puis complète le texte avec les déterminants qui conviennent. Alors, on dit Théo joue le pirate. Le pirate crochet. Enterre le trésor. Tous les bijoux de sa maman. Dans un jardin, papa croit que c'est un vol et prévoit la police. Alors, je répète encore une fois. Théo joue. Il joue le pirate crochet. Alors, c'est un rôle, le pirate crochet. Il enterre le trésor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le trésor ici? C'est tous les bijoux de sa maman. Tous les bijoux de sa maman. Tous les bijoux de sa maman. Dans un jardin. Papa croit que c'est un vol et prévoit la police. Voilà, c'est tout pour le moment. On vient de faire grammaire. On a bien compris ce que ça veut dire les déterminants. Alors, le déterminant est un petit mot qui accompagne le nom. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.